qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Technologique, un podcast qui parle de tout ça qui a rapport avec causer technologie. Si vous aimez causer sur technologie, pas hésiter à suivre podcast ça tout côté sur Apple Podcast, Spotify et puis Google Podcast. Je dis à nous un plaisir pour nous recevoir Bikens Lajoie qui est PDG d'Auralia. Nous allons parler d'un aspect de cloud computing qui est les SaaS. Alors, nous parlons d'un pile de cloud computing dans le podcast. Déjà, nous allons définir ça cloud computing. Mais nous allons entrer dans un trois modèles cloud computing qui est les SaaS. So, SaaS, c'est Software as a Service. Bikens, nous remarquons depuis quelques temps et Mounio, comme Microsoft, Google Compagnie ou Adobe, yo pa vann product ki ankon on clé pour activer licence ou an. Tout moun se nan cloud yo bo ale et même kon yon sou bezwen achete un logiciel Adobe Photoshop par exemple ou pa wale jwenn moun ki konkon tan lan tan lontan yo yo voyon on CD pou ou ou mi un logiciel ki vous installer avec clé, c'est tout bay c'est une subscription. Parlez-nous un peu de ou et dis-nous pour qui ça vous pensez que tout moun ale vers modèle ça. Bon, Gaël, moi remercie en pile pour l'invitation ça. Effectivement, bon, non pas moi c'est Bikens Lajoie, moi c'est ingénieur en informatique, donc moi j'ai une maîtrise en sciences informatiques et plus particulièrement moi c'est actuellement directeur informatique les d'Auralia, et côté que moi-même aussi moi c'est cofondateur. Cela, il pas vraiment pas gagner nous pas capable parler de licence cloud computing, non? Donc comme effectivement précédemment nous t'ai parlé de cloud computing non? Donc ça c'est effectivement tout qui ça qui vient passer c'est que grand pile compagnie qui vient rendre compte que au lieu que moi prend un produit moi mettre la $40,000 et puis m'a baissé vendre ni côté que c'est un petit crasse monde qui ca utiliser eh bien pour qui ça que me pas prend produit ça au lieu que me vendre mon yol moi juste louer et moi diminuer quoi de façon à ce que pour me ca prendre plus large de monde. Donc c'est là effectivement ça cela vient prendre toute importance. Les gens qu'on dit qu'on y a là ou pour que m'a pour exemple bon pas pour citer dans des compagnies mais gain de compagnie côté que yon CD en soi ou te qu'on acheter li $800 le ça ou acheter lui ou pour que automatiquement qu'on dit ou passe au modèle SaaS ou simplement payer disons $25 le mois, $40 le mois. Donc là rentrer à barrière de quoi les vini on capable dire un petit peu plus facile. Mais il paraît était seulement dans quoi parce que en pile entreprise bon il y a même tout grand compagnie qui vraiment vient paraître avec on capable dire modèle SaaS donc il y a même fini par ouais ça côté que une compagnie qui achète un outil disons excessivement cher parce que il a besoin pour fonctionner mais maintenant li cool pour kembe li envie li encore très cool. Donc c'est pour ça que modèle ça ça vient vraiment vient partir sur ça par exemple justement Jean Abdia c'est que regardez pour les m'acheter un CD $800 d'un logiciel moi installer sur ordinateur moi eh ben les prochaines versions sorti moi vais payer $800 encore chaque fois une nouvelle version payer $800 encore tandis que si il faut désinstaller pour réinstaller ah pour oui faut désinstaller pour réinstaller donc faut faire tout mécanisme ça et là n'a pas les deux simplement nan côté que c'est en tant qu'utilisateur qui utilise un logiciel m'pa même rivé nan cas côté que c'est une compagnie en soi qui installe un logiciel la kaili donc faut li gon équipe vraiment qui ka kembe bagay ki ka kembe utilisateur. Ah oui justement le ça coût a vinn énorme vraiment pour compagnie ça maintenant li même le kounye alors vinn pas sa modèle SaaS là non seulement kembe application ça en vie pas dépend de ou encore mais à chaque fois que vous mise à jour ou gagne gratuit et même pour faire logiciel ça rouler parce que logon logiciel yo vend nous yo clairement dit mais des prérequis pour rouler et des fois prérequis ça yo si c'est pour nous utilisateur gagne doit bien simple mais gagne doit pour une compagnie rien que prérequis pour faire logiciel ça rouler la cali encore un autre investissement très lourd. Donc vraiment au niveau de coût non seulement pour faire acquisition de l'île gagne tant gros coût pour mettre en base une certaine prérequis pour le cas où les applications ça la cali son coût et pour le kembe application ça un jour à jour excusez-moi donc ça que relé maintenance là effectivement son coût maintenant SAS là lui-même li de retirer tout ça la main côté que rien que ou pas faire acquisition logiciel là dans cas ça parce que logiciel là pas pour c'est louer ko louer
Maintenant, du barrière entrée coup à vin plus faible, c'est-à-dire au cas rentrée. Maintenant, toute mise à jour, toute nouvelle version qui a sorti, toute prérequis, toute infrastructure qu'il a pour faire logiciel, ça a marché, mais il n'est pas dépendant de vous du tout. Donc, c'est fournisseur de service SASA qui est responsable de ça. Donc, c'est un très. Capable. Oui, Vas-y, si. sinon, oui, tu m'as d'aller. Oui, non, que moi t'as dit, non seulement au gain, non seulement barrière, coût, ça vraiment qui vient diminuer, mais tout infra, tout kembel en vie, mise à jour, côté que c'est une équipe ou même qui vient derrière pour faire ça, eh bien, équipe ou akounia là, elle vient disponible pour faire l'autre tâche, c'est-à-dire c'est pas vous-même qui est responsable de ça du tout. Et dans ton longtemps, les pour installer l'application, tout ça, les prérequis, en tant que vous, vous devez utiliser, installer l'application, dans ça, les data centers, vous installer des serveurs, dans salle des machines, prérequis, ou pas qu'il y ait un serveur 2003, il faut qu'il y ait un serveur 2016, qu'il y a faut installer un paquet de bons petits logiciels et un background qui pour meet un prérequis et vendeur. Maintenant, nous entrons directement dans avantages et inconvénients de SaaS, mais expliquez-nous qui c'est SaaS là. SaaS là, c'est Software as a Service. Qui j'en fonctionne, qui j'en lié même. OK, Software as a Service, comment que il fonctionne, c'est que, en fait, au lieu que Jean que n'a pas expliqué, bon, si effectivement moi parti par expérience moi finalement avec Mesa, bon m'entraînant clairement partie catégorique ça tout c'est que si on l'école te dit ou bien université lui même lui dit que ah les besoin informatiser université lui ou bien besoin informatiser l'école lui donc premier réflexe pour aller le faire c'est que faut le bon data center parce que faut l'acheter un serveur parce qu'il pas qu'acheter un simple ordinateur pour le faire ça parce que il va y avoir coût personnel là voilà faut les gain switch route internet adresse IP publique parce que même s'il y a internet mais faut le cas visible de l'extérieur pour que mon si mon cas la cas il cas inscrit à distance c'est-à-dire il cas fait universitaire ou l'école a cas accepte inscription à distance donc faut le gain toute infrastructure ça et en même temps faut le gain firewall qui compte pirate qui pourrait essayer rentrer sous data center là et moi bon là nous juste à parler techniquement à part que la besoin mais faut que l'on sale c'est-à-dire on surface dédiée à ça et faut le sale ça gonne certaines températures parce que équipement ça suppose 24 sous 24 bon pas besoin de parler entre guillemets fort un courant 24 sous 24 quelle que soit dans condition hier c'est-à-dire que pays lock pas un pays lock fort un courant 24 sous 24 parce que depuis pas un courant serveur éteint mais toutes services pas fonctionner dehors pas pour elle donc outre que tout on capable dire là c'est commencer par infrastructure pour besoin maintenant on va le dire qu'on y a là on va développer un logiciel pour gérer l'université eh bien on va le faire appel soit à un fournisseur des programmeurs qui va venir programmer le pour qui probablement donc petit monnaie ou bien est-ce que c'est ou même qu'a une équipe informaticien sur place qui va le programmer le pour ça sous-entend ou va le payer employé ou va le gagner des bonus ou va le gagner payer taxe sur masse salariale donc, ou bien tout ça qui vient derrière et pas même ou pas qu'on même fini dans le cas parce que leur film fait tout ça et bien logiciel ça on va utiliser des technologies un exemple bien simple pendant qu'on va faire là on va utiliser PHP 5 par exemple l'autre semaine on entend PHP 7 l'autre semaine on entend PHP 8 MySQL a changé sous toute technologie a changé donc fort capable là pour toujours qu'un b système ça à jour parce que sinon au film fait tout investissement ça ou dépenser tout comme ça ou fait ou fini par faire solution là. Eh bien, ce qui est derrière, ou pas qu'à Kimberly, mais qui ça peut venir passer, il va venir obsolète. Donc, c'est comme ça en réalité, on fait investissement dans un gros cop, et puis après ça, on commence à perdre petit à petit. Petit à petit. Donc, c'est effectivement tout ça qui rentre en compte. Maintenant, l'heure dit, ah, on va faire tout le bagage ça, mais plutôt, on cherche un fournisseur de service qui fournit mon SAS. Eh bien, fournisseur de service, SAS, qui ça que lui-même lui fait, eh bien, c'est lui-même qui assure tout ça. C'est-à-dire, il y a un data center, il y a un logiciel là, il fait tout le bagage net. Maintenant, il est juste bon accès pour que vous-même connecter pour utiliser l'application. Ça ne veut pas dire pour autant que ou en bas exigence fournisseur SAS, parce que quelqu'un doit dire, ah non, moi-même, mais comment me fonctionner, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a des personnalisations, il y a des modifications personnalisées que fournisseur de service et ça qu'a fait pour compagnie ça bien que kounya là c'est-à-dire si qu'on besoin rentrer dans ce système comme ça donc du coup l'école a dit ah moi j'ai besoin informatiser l'école moi besoin utiliser système là donc moi pral vers un fournisseur SAS et bien ça seulement l'a fait c'est remplir un contrat inscrire une souscription et puis frais mensuels juste payer et voilà rapidement ligue temps opérationnel sans que pas besoin pral soucier de tout précédemment tout
infrastructure, tout ça. Donc, il n'y a pas pratiquement rien maintenant. Juridiquement, tout donné, c'est les propriétaires. Mais le logiciel en soi, il n'est pas pour lui. Parce que dans le premier cas, elle fait tout investissement. Le logiciel là, c'est pour lui. Mais dans le deuxième cas, SAS, le logiciel qu'on a utilisé, il n'est pas pour lui. Sauf que c'est loué pour louer chaque fois. Alors, Nabdi Mounio, dans le cas modèle SAS, là, ou gagner un link seulement en URL que vous avez et que vous utilisez un logiciel là en dans un navigateur web. Donc, son application web que vous avez pour installer. Donc, du point de vue et facilité, ou juste besoin d'un web browser et ou besoin d'un système d'exploitation qu'on peut utiliser et qui différence Linux ou même si c'est Windows, ça va être réseau. Maintenant, Bikens, qui n'est pas dit inconvénient qui gagne ou mais qui danger qui gagne dans causer ça cela du point de vue client. OK. Avant qui danger qui est comme ça là nous est tout avantageux parce que assez souvent dans toute solution qu'on gagne pour prendre a bien des avantages et des inconvénients. Maintenant c'est vous-même qui pourrez ajuster avantage à inconvénient pour prendre à avantage à plus qu'inconvénient vraiment à rentrer là-dedans. Donc voilà pour qu'on commence à y. Et juste une petite parenthèse rapidement avant de continuer ça c'est que ou Jean Cody a pas aucune installation mais des fois quand on a une installation par exemple prendre le cas dans cas pas nous par exemple côté que étudiant ou bien parent ont app pour installer sous téléphone qui inclut vraiment dans partie SAS là mais le lien ça est sous téléphone ça veut dire à chaque fois que game mise à jour connaît Google ou bien iOS a voué mise à jour pour. Donc voilà. Mais en soi, SAS là, il est vraiment accessible par un navigateur URL qu'on rentre là dans Jean Côté dit là. Maintenant, qui est inconvénient qui gagne à ça? Premier gros inconvénient qui gagne, c'est que compagnie dépend totalement de SAS là. C'est-à-dire, si que SAS a fait faillite, on risque de perdre les données ou non, mais ou pas pas fonctionner. C'est ça que fait. Premièrement, avant choisir qui ou dit wap utiliser SAS, faut qu'on ait à qui compagnie on fait SAS. C'est-à-dire, premièrement, faut renseigner sous compagnie, faut compagnie ça a une certaine notoriété, parce que si c'est un grand monde derrière qui dit que ah, me positionner tête moi en compagnie et puis m'a fait SAS, et puis ou entrer là-dedans, eh bien, automatiquement que monde ça l'y aller, il malade pas, tellement. Si compagnie aller, a ou non problème même si ou pas perdu données parce que faut moun yo fait attention ou rien doit pas perdu données mais ou pas ka fonctionner parce que données ou l'amour ou pas gain interface pour faire des transactions donc voilà ou totalement dépendant de fournisseur de service. Maintenant le deuxième inconvénient capable dit qui vini gagner c'est le fait que ou a utiliser et internet. Donc, c'est-à-dire le fait que ou a pu utiliser Internet. Donc, système ça accessible par un browser. Donc, ou vine lié Internet. Puis, pas gain Internet ou pas qu'à utiliser. Mais, ça pas veut dire pour autant service ou à tomber. Parce que, il y a des utilisateurs, moi, qu'on a parlé avec eux, ils disent, ah, si pas gain Internet, eh ben, système n'a pas qu'à utiliser. Si, ou pas gain ou même utilisateur ou pas gain map par exemple yon l'école ou bien université qui a pu utiliser Mesa par exemple si ou même ou pas gain internet mes parents yo étudiants yo professeurs à distance tout a fonctionné normalement parce que c'est pas SAS là qui tombe c'est ou même qui pas gain internet et ou gain doit l'école là pas gain internet mais yon employé dans l'école là gain doit juste prendre téléphone li active un petit plan data rapidement li accéder avec lui donc c'est-à-dire ou vin lié à internet pour moi même qui sont inconvénients mais qui pas trop tête chargée parce que en réalité service soit toujours opérationnel. Bon, troisièmement, capable c'est pas un inconvénient vraiment mais faut que ça li prend en compte faut qu'on monde ou pour l'entrer dans SAS, faut mettre ça en tête tout qui c'est confiance et basel ce qui ça contredit, c'est-à-dire ou vient entrer dans aspect juridique là. Confiance c'est-à-dire on pas cap pas si pas senti pas gon feeling pas fait compagnie en confiance et même pas capable rentrer parce qu'en réalité ou pral bay tout dono c'est compagnie ça pral gérer le pour donc confiance en force. Ah oui, risque cybersécurité a lien pile même pour vous même parce que bon, il y a un petit peu moins pour vous, c'est-à-dire si vous même cap utilisez un système SAS, vous t'a piraté ordinateur ou donc clairement, vous pas fait serveur yo rien parce que au final vous pas gain serveur ou pas gain rien, donc c'est à partir de lien ou fonctionner. Maintenant, c'est SAS ça lui-même qui pour arranger li pour que si effectivement vous attaquez li au niveau cybersécurité, ah oui, le ça a bien répercussion sur. Donc c'est un petit peu fragilité ça qui gagne c'est que vraiment leur utilisant service SAS pour qu'on connaisse vraiment entre pour à compte comment pour lui mais vraiment base là c'est faire confiance
parce que ou pas qu'à prendre n'importe qui compagnie ou bien ou pas sentir une certaine confiance dans compagnie ça et puis pour rentrer dans système ni à faire SAS parce que Jean que moi dire techniquement ou des totalement dépendant de lui de en fait ou totalement dépendant de compagnie ça. Yeah, yeah. Ou c'est PDG en compagnie qui est le Duralia qui a bâillé un service SAS qui est le MESA. MESA, c'est un système SAS qui a bâillé un service en ligne, en application qui permet à un monde gérer l'école. Qui ça s'est demandé pour gérer un business comme ça et qui, genre, en termes de background, infrastructure, qui ça service ça fait et qui, genre, qui ça s'est demandé pour gérer et puis bâillé un service comme ça en Haïti? OK. Bon, pour vous dire franchement, là que nous même non avec partenaire moi nous en train Haïti, premier constat que nous t'ai fait et c'est pas pour rien que compagnie Mesa, c'est une compagnie haïtienne parce que tout en haïtienne qui développait un produit qui relait Mesa qui c'est un produit haïtien développé par des ingénieurs haïtiens parce que c'est pas pour rien que nous t'ai créé en 2010, c'est suite à tremblement de terre là, nous t'ai remarqué secteur tout secteur t'est touché, mais secteur t'est pi touché à yeux en fait dans la vie par nous c'était éducation côté que si mon non seulement perdu canet que li redit travail pour tout là-dedans mais gain de l'école qui perdu données au tout c'est-à-dire ou allemand de relevé de notes yo doit désolé nous pas même carbon relevé de notes côté que ou perdu livret banque et puis mais quand même l'agence sécurité parce que c'était un système banque t'a utilisé mais moi même rencontré des étudiants des élèves et moi personnellement moi victime de ça. Parce que là, pas aucune preuve qui justifiait que moi t'ai fait classement du premier à cinquième année fondamentale. Moi, j'ai une note seulement à partir de Kilambunet. Donc, parce que le mental, ouais, directeur m'a dit que j'ai besoin de relever de notes parce que j'ai besoin de faire une activité. Il dit, ah, désolé, monsieur Lajoie, nous t'ai perdu toute bagaille dans le tremblement de terre là. Parce que l'école n'est pas vraiment informatisée. Maintenant, qui ça que nous t'ai venu pas constater, c'est que barrière que l'école yo te gagne le fait que yo pas utilisé un système genre que toute l'autre grande compagnie a utilisé, c'est barrière quoi. Donc yon l'école li pas ka compter sur frais de scolarité li et puis pour la investir 30 40 50 000 dollars américains pour construire logiciel pour li et nous bien ouais qui ça ka passe encore elle fin débourser tout comme ça faut capable kembe l'envie. Donc vraiment yo pas té vraiment nous té ouais difficulté ça. Maintenant qui ça nous même nous fait dans Duralia, eh bien nous développer une application, nous visiter l'école, nous fait bon bye tout détail parce que m'pa vle prendre nous prendre en pile temps, mais nous construire un cahier des charges nous même nous développer application hein, et nous héberger li, nous faire toute bagaille net et puis nous mettre en location dans l'école yo. Que si yon bagaille que ça n'a fait là, n'a fait li depuis 2013 parce que nous mettre en production et nous te même recevoir on récompense même dit pour Digicel entrepreneur de l'année. Nous te 5e finaliste, nous te participer non projet ça avec lui. Effectivement nous te 5e finaliste de l'année, mais à l'époque en 2013 là, c'était toute première plateforme SAS qui était dédiée à l'éducation en Haïti. Donc et puis depuis là, nous toujours continuons à faire travailler ça. Toujours, l'école est très satisfaite du service. Nous, confiance en fini par régner entre nous. Donc, logiciel, ça lui-même, qui se dit, nous, toute infrastructure directement faite là, kay nous. Et l'école, yon, ou bien université, on est juste monté sous mes ça, yon crée un compte et yon fait bulletin scolaire, yon fait économa, yon crée timon dans le système, non, yon même fait e-learning sous même plateforme. Non, parce que yon n'a bagay que nous-mêmes, outre que SAS là vraiment, mais nous te vle que si l'école là dit la informatiser tête li, il n'y a pas besoin d'utiliser plusieurs logiciels et en même temps qui pas même interconnecté entre eux. Donc, c'est ça que nous faisons. Nous avons toutes les grandes fonctionnalités que l'école utilise. Donc, gestion académique, gestion administrative, gestion financière, l'ISOTI rapport, l'IFE bulletin automatiquement. Et dans deux cas, il y a un cas qui s'est passé récemment. Je me dis, bon, je dis deux cas, mais dans le tremblement de terre qui s'est passé après vraiment 12 janvier, gain de l'école, surtout avec Cyclone Mathieu, excusez-moi, avec Cyclone Mathieu. Et puis bon, tremblement de terre qui était fait au cas là. Mais gain de l'école que nous avons dans la zone ça, je dis, non, si ce n'est pas de ça, en fait, que pour reprendre l'activité, c'est vraiment plus compliqué pour eux parce que professeur ou la caillou rien qu'avec téléphone yo y a metté notre petit mon yo la caillou y a metté des vidéos pour petit mon yo y a bail au devoir y a corrigé devoir
ce que vous devez faire avec des outils et communication qui existent sur place, mais là que c'est à l'interne yo fait, donc les fin plus facile pour yo côté que yo juste poste ton devoir si on en fait, yo tout monde qui fait, yo mettez note pour yo, donc activité l'école la continue à faire indépendamment de mur l'école là. Et puis en même temps qu'est-ce que nous t'ai fait, nous t'ai demandé les nous t'a développé li nous t'ai demandé ministère en général qui rapport qu'on demandé l'école yo, mais en un clic on y a là tout rapport ça sorti pour ministère éducation nationale. Ah super. Donc n'après le monyo, donc ça veut dire si bien comprendre que mais ça les gagne à la fois application web qu'on peut utiliser sur laptop desktop ou mais tout les gagne en version application qu'on peut installer sur téléphone. Donc si tu as même plus de détails sur mais ça on capable aller sur www.mesa.online et puis on capable joindre tout module que mais ça bail et tout service qui sont capables inscrit dans mais ça. Dernière question Bikens pour un jeune qui a évolué en Haïti, qui voulait entrer dans la cause de technologie ou bien plus précisément dans la programmation logicielle. Est-ce que vous avez un conseil qu'on peut parler de manière générale et puis de cycle de vie de développement logiciel qui ça on monde doit prendre en compte, qui ça pour on faire attention surtout les labs développer logiciel bien sûr faut faire cahier des charges mais qui en expérience ou qui challenge ou qui qu'on ouais que on monde doit faire attention. Donc c'est deux questions, conseil pour un jeune et puis qui ça pour on monde faire attention les labs dans cycle de vie de développement logiciel. OK. Moi mon conseil ma bay jeune c'est le fait que nous trois jeunes, nous trois consommateurs de internet, c'est-à-dire d'accord que faut qu'on consomme, oui c'est vrai parce que faut qu'on consomme, d'accord, ou un téléphone ou un smartphone ou et puis ou tout le temps sur internet, mais qui ça que ou même on fait à internet ça pour qu'a pour ton service pour que nous on a consommé ça on fait. Moi même c'est premier conseil de cabaye jeune, c'est dans un premier temps téléphone nan klanmon lan sans d'ailleurs ou pa ka al sur internet aller n'importe qui téléphone fò gon smartphone et jan nou an di la téléphone nan très smart donc ou ka formé tête ou avec li dans domaine que ta renmen donc voilà ou formé tête ou pour que ou pa utilise internet la pour passer des heures sur les réseaux sociaux mais kon sa konti tantou pour que ou apprend nou bagay ki nouvo et exact voilà ou formé tête ou fait investissement ça et l'autre conseil cabage jeune tout c'est que pas oublier pour gagner des revenus c'est pas forcément c'est al travail effectivement travail est important tout bon effectivement tout on passe là-dedans moi même m'ap travail donc c'est pas seulement travail mais ouais comment que ou ka créer un service et ou mettel sur place c'est-à-dire si ou son jeune en informatique surtout eh ben ou ka analyser garder pour bon pour parler nous ça rapidement c'est que créer un service, créer un produit qu'on a essayé de mettre sous marché, ne serait-ce que, même si c'est 4-5 personnes qui connaissent, mais qui apprennent, comme ça, tout le monde doit pas prendre, mais toujours mettre dans la tête que, eh bien, ou capable de créer un service grâce à Internet. Là. Et ça, c'est très intéressant. Grâce à Internet, là, si vous créez un bail qui est intéressant, c'est pas seulement en Haïti, le monde entier, ouvert sur le monde entier. Bien que tout ça qui a passé dans le monde, en bien, ou même avec smartphone ou au courant, eh bien, c'est même gens tous, si vous avez fait le monde qui est au courant de lui. Donc, vraiment, moi, je suis capable de penser, c'est qu'on sait que c'est un jeune, mais sans question de mindset lié, pas arrêter là, consommer, mais faut voir comment vous êtes capable de produire tout. Donc, vraiment, produit à ça c'est pas long l'autre démarche mais toujours mettez ça dans tête au cas produit et pour que l'autre produit ça c'est vraiment gagne des milliers de monde qui kawa. Maintenant si que nous parti nous dit ben moi-même moi gagne m'a parler surtout pour monde qui dans informatique yo moi besoin construire une application bien logiciel à mettre en place phase de cycle de vie non, pour développer un logiciel parce que moi dois décider me dit ah et moi ouais gros problème oui là on te ca résoudre ça par une application ou bien on te résoudre ça par un logiciel donc senti besoin donc c'est pas courir avec feeling pour dire ah bon commence à le programmer pour faire ça non faut couchita dans un premier temps ou faire des recherches c'est étape 1 c'est faire des recherches pour me connaître est-ce que mon problème ça moi ouais qui pose que me dit que am ca ba un logiciel pour moi combler on capable dire mon mieux c'est-à-dire un produit un service moi donc faut faire des recherches pour connaître est-ce que pas des monde qui fait le déjà ou bien si il y a des monde qui fait le déjà qui côté échoué si il y a monde qui fait le déjà comment que la fonctionne donc première partie c'est faire recherche maintenant deuxième phase là c'est planification faut capable planifier
pour dire eh ben voilà moi fais des recherches eh ben, mais comment que moi commencer planifier pour me dire mais comment moi lancer développement maintenant à partir de telle période mais qui ça m'a fait pour avancer, c'est-à-dire pour gagner un plan que m'a suivre. Maintenant là on va passer dans phase conception et tout ça les m'a parlé de conception pour l'instant beaucoup aller dans beaucoup monter sur ordinateur programmé non mais là moi commence à réfléchir à système parce que tout bon système qui réussit c'est pas un bon matin une bonne idée pour monter sur ordinateur commencer programmer non faut que ou gagne des maquettes faut que ou chita ou travaille sur papier ou concevoir ça pour le faire. Et il y a un bagage encore qui est très intéressant, pas l'anso pour compte. Même si c'est avec des amis, chita, bon, il y a quelqu'un qui connaît que c'est très compliqué parce que quand on a un chita, on a l'idée qu'on gagne, ou chita avec des amis, on fait brainstorming et puis c'est le regard de projet à réaliser sans qu'on ne même au courant. Donc, si nous cherchons des bonnes personnes, vraiment des monde que nous fait confiance, chita parce que le de confiance surtout, parce qu'en général, là où même on remet, et ça va faire des fois tellement lent soit l'aventure donc des fois un petit peu gaillé donc pour contre mais ça fait lui très bon pour chita avec des personnes de confiance nous faire des brainstorming sur les nous dit OK mais qui ça me penser donc là ça n'a bien plus idée vraiment cap jaillir entre nous pour nous capable faire ça donc voilà nous chita ensemble nous concevoir ça pour le faire maintenant on fois qu'on fin concevoir ça pour le faire et bien on passer dans phase de création de contenu. Parce que pour créer contenu, pour qu'on connaisse que voilà, on va exécuter plan ça à la lettre. Eh bien, mais qui ça me fait faire? Si c'est une base de données qu'on peut faire sur application, eh bien, commencer par mettre modèle de base de données en place. Donc, m'a créer document que je peux suivre. Ensuite, au placer dans le développement, c'est là qu'on a mettre les compétences en jeu. Si on dit ouais, son site internet doit faire ben on connaît qu'on peut coder en HTML, on peut entrer dans PHP, on peut entrer dans Python. Donc c'est-à-dire on vient gagner compétences dans pour faire soit ou même on met compétences pour faire ou bien avec des groupes amis moi qui gagne compétences là qui mettent ensemble nous commencer programmer. Et là nous fin développer ça que nous dit n'a développer hein. Donc nous passer dans sixième phase là qui c'est test parce que ou pas quand on fin développer pour dire tap ou bien t'a proposer moun PO pour ça qu'on fait. Non, parce que si un pile monde fin PO pour bail qu'on pas tester, li pas marché, à mon voile venir plus problème juridique parce qu'on pas seulement dans remettre l'argent mais on va arriver dans cas pour dédommager monde. Donc fait très attention à ça. Aspect juridique là dans tout service qu'on va lancer, il est très important. Bon, nous pas parler de ça parce que pas grand pile temps. Et puis il a gagné un impact sur personal brand nous sur image. Ah, ça c'est sûr. C'est bagaille pour pas jamais faire côté que ou pral lanso en tant que service pour capable mettre ton produit en place, faut base là pour venir c'est confiance parce que gagne de monde qui vraiment mal intentionné qui utilisait de confiance mon qui des fois gon produit pas même marché mais tellement comme si très beau parleur yo fini par embaumer bon yo même mon yo fini par compte ça quand même yo fini par rendre compte de ça mais c'est pour vous dire que partie ça très important c'est que faut qu'on sûr que l'on fin gagner confiance client faut pas perdre parce que un client qui satisfait li pral faire moun autour de lui mettez au courant que ah ma petite ils ont bon bagaille là mon cher utiliser parce qu'il y a essayé Kimbel mais quand yo pas satisfait le monde entier a au courant que yo pas satisfait donc fais très attention ça m'a dit non c'est expérience c'est-à-dire les monde n'est satisfait il pas assez souvent pas fait moun pour non ses amis l'a fait jouir de privilèges qu'il satisfait mais le pas satisfait quel que soit moun il pas connaît le parler de lui parler de donc fais très attention à ça donc c'est-à-dire dès pour fin gagner confiance monde c'est vraiment et pour gagner confiance monde pour gagner un produit que ou même on tester ou faire des tests ou faire des monde utiliser ou quand même faire client tester parce que client pas gagne aucun problème avant que ou pas faire le payer pour ça l'a juste tester lui même encore qu'à faire des conseils donc voilà et puis dernière phase là qu'on y a là c'est déploiement et maintenance parce que bon yo mettez ensemble déploiement avec maintenance déploiement c'est vraiment c'est là où on va entrer en phase production là ça tout on va commencer à utiliser ça que vous faire. Et maintenant, c'est très important parce que dans SAS, pas oublier que toute load charge li dépend de vous-même. Mm-hmm. Donc, si on produit aujourd'hui, là, après un certain temps, pour mon après des warnings qui ont écrit, ça pas joué encore, ça pas joué. Ah non, c'est ça pas intéressant. Parce que ce concept SAS là même, parce que ce qui intéresse, c'est consommer service ou et faut que li bon. C'est ou même derrière qui vraiment parti sur logique ça donc c'est à dire c'est au même qui est responsable pour capable tester application super donc en gros c'est cette phase ça vraiment pour développer capable dire un logiciel donc en général mon SAS yo upload application sur des serveurs cloud tant que Azure AWS des bagages comme ça exactement là bon laisse ça clairement venir passer ou même en tant que
moun kap lanse nan IAS, en fait SAS ou oblige al ver yon IAS. Parce que si que ou même on va faire ça à moins que tu aies moyen financier ou même faire tout à fait pour tout qui encore vin retourner positionner autant que client parce que le ou même en tant que SAS ou même c'est ou qui prend en charge tout bagay ou installer donc en fait coût a vini énorme pour tout parce que faut gen data center faut gen ça. Comme ou même en général ou gen doit peut-être pas gen moyen pour faire ça et puis vraiment li pas intéressant pour ta ou gen doit pas gen toute compétence pour faire ça et ben ou même en tant que responsable en fait cap faire SAS ou aller vers un fournisseur IaaS qui c'est infrastructure as a service et ben pas besoin acheter équipement moi-même moi juste aller vers Google Platform m'aller vers Amazon AWS ou bien m'aller vers Microsoft Azure peut-être bien l'autre tout même Red Hat donc bah comme ça tout donc pas qu'on liste tout mais les plus dans Doralia, c'est deux ça nous utiliser, c'est Google Cloud avec Amazon Web Service. Justement, les gens t'ont dit non, c'est que faut moi qu'a fait fournisseur sa confiance pour moi-même moi qu'a bah un service pour que client mieux capable faire me confiance. Donc yep. C'est pour ça que nous aller pour compagnie ça. Weekend la joie, merci un pile parce que tu es passé dans la technologie, que tu es professeur PHP, même tu es étudiant infotonique. C'est un grand plaisir pour me recevoir dans la technologie et puis pour te parler de software as a service. Et à la prochaine. À la prochaine et moi remercier tout le monde qui t'a regardé l'émission ça tout donc merci beaucoup et moi Jean Gaël t'a dit à moi inviter nous à aller sous Mesa MESASSA.online Mesa.online pour qu'on gagne plus d'informations. Merci un peu Gaël. Si vous voulez connaître plus tout sur compagnie Beacon Sajoie, compagnie c'est doralia.com c'est doralia.com donc c'est Doralia qui bail service Mesa. Exactement. Oui, parce que nous avons plusieurs autres services, tout, même capable de dire base nous référence, ça qui fait référence surtout en Haïti, c'est vraiment système SAS là, mais nous avons plusieurs autres services, programmation, tout ça. Super. Beacons, bon week-end et à la prochaine. D'accord, merci Gaël, bon week-end et bon week-end tout le monde. À la prochaine. Bye bye.